Le premier tournoi international de gymnastique rythmique Divine Grace vient de se clôturer à Moscou. La vedette de cet événement était Lala Kramarenka. À tout juste 17 ans, la championne russe a remporté tous les titres de cette compétition individuelle. Le dernier jour du tournoi, les gymnastes ont dû se mesurer aux épreuves des massues et du ruban. Après avoir pris la tête des deux premières épreuves, Lala Kramarenka a obtenu un record de 37,4 points pour son enchaînement aux massues. Malgré une nouvelle association de règles qui permettait aux gymnastes d'inclure plus d'éléments corporels, la championne russe a fait un sans faute. Les règles de ce tournoi sont très différentes de celles habituelles. Beaucoup d'éléments ont été ajoutés, donc la compétition était plus physique. Mais j'aime ces changements car ils permettent de nous révéler et montrer une gymnastique rythmique plus spectaculaire. Les jumelles Averina, qui ont multiplié les médailles ces 5 dernières années, ont aussi apprécié ces nouvelles règles. Elles étaient présentes à la cérémonie de remise des prix. C'est une excellente expérience parce que c'est un tout autre type de gymnastique. Ce que les filles font ici est beaucoup plus impressionnant que ce que l'on voit dans les autres compétitions. Ce serait super que ce tournoi se développe davantage et que nous y prenions part. La Bélarusse Anna Kaminskava et la Géorgienne Kitivan Arboleshvili ont estimé satisfaisant ce nouveau système d'évaluation. Ce dernier sera utilisé à partir de 2022 et jusqu'en 2024. Elles ont terminé chacune seconde et troisième à l'épreuve des massues. Le ruban, l'instrument le plus délicat et le plus spectaculaire du concours général, n'a apporté aucun changement au tableau d'affichage du tournoi. Cependant, il a apporté un plaisir particulier à tous les admirateurs de gymnastique. Pour son dernier enchaînement, Lala Kramarenka a effectué sans faille une figure que la Fédération internationale de gymnastique a nommée en son honneur en 2021. La Russe a remporté le tout premier tournoi Divine Grace avec un score de 141,56 points, suivi de la Bélarusse Anna Kaminskava et de Kitivan Arboleshvili qui a remporté le bronze. J'étais très inquiète que quelque chose tourne mal, car les nouvelles règles sont très dures pour la gymnastique rythmique d'aujourd'hui. En fait, un certain nombre de pays m'ont dit qu'ils voulaient vraiment venir au tournoi, mais qu'ils craignaient d'avoir l'air idiot. Ils ont promis qu'ils seraient là l'année prochaine. Je pense que cette célébration du sport s'est bien déroulée et qu'elle était de la plus haute qualité. Le tournoi Divine Grace devrait être renouvelé puisque les organisateurs ont promis d'en faire une tradition à Moscou.